Ils ont tous les deux une crosse bleue, c'est pas évident. Ah bah attends, ils ont tous adopté là. Voilà, là, ça peut être dangereux. Non, 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 c'est pas où c'est. Attention. Ah oui. Là, là, ah oui, ouais, oui. Là, il y est. Au bout de trois fois, à un moment donné, il a été perdu là. Alors attends, peut-être qu'il va y avoir... Non. Attends. Si, le VAR. On va le revoir, mais à mon avis, il y a quand même but. Visiblement, il y a quand même but, il parce annonce, que... Il annonce patin le head. Écoute. On va revoir. On va le revoir, mais à mon avis, on va voir la but. Mais il a peut-être campé aussi dans la zone. Hein. Il a peut-être effectivement dans le slot. Il est peut-être dans le slot. Et l'arbitre, là, ça travaille, ça pousse dur. Il va se retourner. Non, heureusement. Oui, ah, dommage. Perte de palais. Attention, par contre. Ouais. Attention, deux temps. En se retournant comme ça, c'était Morin Bouvet encore. Oh, bah, but. Ah, oui, voilà. La déviation. Ouais, la déviation, effectivement, elle est très belle, cette déviation. Et qui se tourne. Il demande la VAR. Non, il demande le VAR. Ouais, non, mais il y a quand même. C'est pas la peine. Ah, il annonce cross haute. On demande la VAR. Vérification effectivement pour cross haute. Et je cherche si c'est pas Coulombe, non? C'est pas le 5. J'ai pas vu du tout. J'ai vu le shoot qu'il a armé. Je me demande si c'est pas le 5, effectivement. Patrick. Ah oui, carrément. Comme ça, tes pattes. Les noms, on ne les voit pas du tout, mais les numéros, c'est bien la même chose sur les manches. On ne voit pas. Ah, c'était le 17. Hein. C'était effectivement, c'était Lorca, Vincent Lorca. Allez, breakaway. Oui, le but. 21, je l'attendais bien. Je l'attendais bien, but. Ah, ça couvait un petit peu. Hein. Et le triple buteur de vendredi, il remet ça ce soir, il en met un. Il va faire monter ses stats. Hein. Ouais, et belle lucarne. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont mangé là-bas non plus, mais écoute, c'est comme ça. Si on pouvait. Attention, il va se retourner. Moins de 10 minutes. Ah, ils sont quand même bien présents toujours, hein, les Angevins, même si là, effectivement. Voilà. La déviation. Déviation. Aïe, il va nous faire mal celui-ci. Tout est en déviation. Tout est en déviation. Troisième but, troisième déviation. Ouais. C'était joli hein, d'ailleurs, ça a été travaillé, on le voit. Hein. On masque Morone. On masque Morone et puis cette déviation qui permet à Angers de mener maintenant, de reprendre l'avantage avec le but d'écart. Je vais faire beaucoup mieux dans la construction d'occasion. Et là, beau. Encore, ouais. C'est Pietro Niro encore hein, qui a shooté dans le cadre, dévié par le gardien. Allez, Pistilli. Ça circule bien. Pietro Niro. Ah, ah non, il ne faut pas qu'il se loupe là. Aïe, le breakaway, il est fait. Il faut faire une faute intelligente s'il y a besoin. Là, il y a effectivement tir de pénalité. Tir de pénalité. Oui. Pourquoi on le siffle? Non, je vois pas pourquoi. Ah oui, bon là, il a fait coucher le gardien. Il s'en veut, Morone, de s'être couché. Et c'est 4 pour Angers avec ce but. Beau pénalty, hein. Beau mouvement. Oui, là par contre, ça c'est... C'est bien ficelé son affaire. Bon, le score 4-1 ne reflète pas. Non. Effectivement, la physionomie du match. Pas bouger. Non. Je pense qu'il ne bougera plus. Non. Je m'avance peut-être. Oui, tu vois. Eh oui, tu vois, tu viens de le dire. Voilà, je m'avance peut-être. Ouais. Et oui, il va bouger. Il a fait un danger. Alors, est-ce que c'est le 71 encore? Non, il n'est pas sur la glace cette fois-ci. Alors, il y a le 15, le 71 n'est pas là. Donc, au moins, c'est sûr, c'est pas lui. Non.